y a une question qui me vient directement à l'esprit comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour avoir autant d'aura, je vais dire? Comment est-ce qu'on fait pour Pardon? avoir autant d'aura? Est-ce que tu as Oui. eu une formation? Comment tu en arrives là? Bon, la vérité, c'est quoi? C'est que je vais être franc, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, qui sont kémites, qui ne croient pas à cette histoire de Jésus-Christ. Bon, ce qu'ils appellent, ils appellent ça histoire, hein. Moi, Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Je suis un chrétien fervent. Je crois en Dieu. Et je crois que Dieu, en fait, Jésus, qui est Dieu, est la source de tout le succès, en fait, sur la terre. D'accord? Il y a une dimension où les gens pensent que Dieu, c'est juste ce père-là qui est au ciel, un grand barbu qui fouette des gens. C'est-à-dire que il te laisse vivre un peu là. Après, bon, boum, il te fouette quand il est un peu. Il veut montrer un peu sa puissance. Il te fouette, il te tabasse. Les gens ont une mauvaise. On a mal présenté Dieu aux gens, en fait. Moi, j'ai compris que Dieu, c'est un architecte excellent. C'est lui qui nous donne la capacité de prospérer. Celui qui nous donne des multiples talents. C'est lui qui augmente les choses dans notre vie. C'est lui qui donne la sagesse. Celui qui nous donne l'intelligence. Celui qui nous donne la créativité. Celui qui nous donne les ressources, en fait, pour réussir nos vies, en fait. Et donc, si tu parles de charisme ou d'aura, je peux dire que ça a commencé d'abord par Dieu, en fait. Ma relation avec Dieu, quand je suis allé au Mozambique, j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ où je me suis retrouvé en train de me questionner sur mon existence. Et quand j'ai eu cette connexion-là, j'ai commencé à vivre des expériences surnaturelles que je ne veux pas raconter ici. Ceux qui me connaissent bien savent de quoi je parle sur ma chaîne YouTube, les expériences où j'étais guidé par une voix qui me guidait le matin dans la prière, qui me guidait en journée, qui me demandait de persévérer, qui me demandait de lire, d'étudier le portugais, qui me demandait comment on dit ça? De prendre au sérieux mes talents. C'était toujours le message sur les talents, les talents, les talents, les talents. C'était le message sur les talents. Et quand j'ai développé ça, j'ai commencé à ressentir le besoin de parler à d'autres personnes. Mais en fait, en vérité, l'aura d'une personne se développe au fur et à mesure que cette personne prend de la valeur. Tu vas remarquer que tous les gens qui sont grands dans ce monde et qui ont excellé dans un domaine ont une aura, en fait. C'est comme une sorte de manteau, d'auréole, c'est comme une certaine grâce, en fait, qui t'accompagne. Mais ça vient en fonction de la valeur que tu as. Quand tu n'as développé pas de valeur, tu es un peu quelconque. Tu es là comme ça. Bon, puis on peut te regarder dans la rue, ben on te bouscule, on dit, ben écoute, monsieur, passez là-bas. Mais quand tu développes ton potentiel, tu développes ce que Dieu a mis en toi, cette grâce-là, et que tu commences à grandir en valeur, et que les gens te reconnaissent, les gens sont bénis par ce que tu fais, ce que tu produis, ce que tu crées, cette aura augmente, en fait. D'accord? Ils appellent ça le charisme, en fait. Mais voilà, c'est tout ce que tu dégages. Voilà un peu. D'accord, oui, c'est Voilà vraiment, ce que je peux dire. c'est très clair, c'est très clair.